droit qu'un gala a été tué. Alors, loué soit les dieux. Heureusement. Alors, à l'œil, je vois que tu as un autre exploit à ton actif. Et je devine à ton regard que tu ne comptes pas t'arrêter là. Non, c'est vrai. Est-ce que t'as besoin de quoi que ce soit? Nous t'aiderons au mieux. Après tout ce qui vous est arrivé, Ekaro aura bien besoin de vous pour l'aider à garantir la paix. Pas seulement entre les clans, mais aussi avec les Karja. C'est d'accord. Tu as ma parole. Et jusqu'à mon dernier souffle, je m'assurerai que la tribu se souvienne de tout ce que tu as fait. Notre clan te sera toujours redevable. À l'œil. Eh bien, quelle entrée, à l'œil. Quelle violence. Aucun clan ne va l'oublier de si. J'ai demandé au chapelain comment les disent dans les soins. Ateka, je pensais bien te trouver là. Bien sûr. Le clan de la plaine est venu pour se défendre aujourd'hui. Et comme le jour où Ekaro a conquis le bosquet, nous sommes victorieux. J'ai vu la même chose dans son regard qu'à l'époque. L'espoir qui renaît. Son projet va pouvoir perdurer. Il aura besoin de votre soutien, je pense. Et il va en profiter. Je te remercie pour tout. Aloy. Du commerce, peut-être. Le libre passage des frontières. Les seuls Ténak qui accepteraient de mettre les pieds sur les terres Karja sont ceux qui veulent les réduire en cendres. Je sais pas. La flamme du désert vole désormais sur les ailes des Dix. C'est vraiment incroyable. Je croyais que tu voulais rester neutre. Je me suis dit que si tu pensais qu'Ekaro était digne de ton intérêt, il était aussi digne du mien. Tu m'honores. L'honneur est pour moi. Et où est-ce qu'ils ont trouvé une telle arme? D'accord. J'ai entendu dire qu'ils avaient abattu un... Voilà comment les ailes des Dix nous ont trouvés à temps pour éviter le pire. Je n'ai vraiment rien d'une légende vivante, Jetaka. Peut-être. Mais nous te serons toujours redevables. J'espérais te trouver après la bataille. Où en sont nos réserves d'incarne? Ouais, c'est les projets qui volent sur les ailes. J'ai vu ce qu'ils font les voir de mes propres yeux. Qui volent sur les ailes des Dix. Je pensais que le chef Ekaro avait inventé la vision de l'unité. Ça en fait de nombreux exploits, pas vrai? Croire que j'avais tort. Tu doutais de la parole du chef. Ta participation à cette bataille sera comptée pendant de nombreuses années. Par moi-même et par les chapelains qui me suivront. Eh ben, heureusement que c'est pas toi qui commence. Tu as sauvé Ekaro. Mais comment se fait-il qu'il en ait eu besoin? C'est un honneur, Aloy. Des légendes marchent parmi nous. Elle en est la preuve.